Ils en avaient marre de croiser la saleté dans les rues. Un groupe de parents d'élèves de l'école Briand, à Lille-Sud, a décidé, samedi, de procéder à une opération de nettoyage des trottoirs et d'un parc, dans leur quartier. Environ 30 kg de déchets, une douzaine d'adultes, accompagnés par 46 enfants de CP, ont donc ramassé et trié pendant une heure environ 30 kg de déchets. Cette action a vu le jour après une sollicitation des Francas, un mouvement d'éducation populaire, qui lance une web radio. Ils voulaient savoir quel sujet intéressait le quartier. C'est celui de la propreté qui est revenu, raconte Rachida El Mastor, une des instigatrices du projet. L'opération s'inscrit dans le cadre de projets d'initiative citoyenne. 4 rues étaient ciblées ainsi que le petit parc où se retrouvent régulièrement les familles du quartier avec leurs enfants. Montrer les incivilités de certains, l'objectif n'était pas de nettoyer 100% des rues, mais de montrer les incivilités de certains, poursuit Rachida El Mastor. Il est vrai que dans ce secteur, aucun conteneur n'est disponible dans une résidence LMH, résultat, on retrouve souvent les sacs poubelles éventrés. Par l'intermédiaire des associations de parents d'élèves, d'autres quartiers lillois pourraient voir naître le même genre d'initiative dans les semaines à venir.